Bonsoir à tous, et pour vous prévenir que la pause est maintenant terminée et que nous allons... Arrête de tourner en rond, frère! Tu fais que ça, ça fait 3 fois, tu passes! Sérieux! Bon, bref, la pause est maintenant terminée, donc on va reprendre tranquillement, tous ensemble. Eh oui. Bon, la journée est passée très vite. Il a fait ça toute la journée, ouais, c'est clair. Donc on va reprendre tranquillement, on va continuer ensemble pendant 1 heure et demie encore, et oui, parce qu'il faut que ça fasse 3 heures de live. Bon, c'est vrai que... Allez, on repasse encore. 4 fois. C'est vrai que je me fous de la gueule du jeu, tu sais, et tout, mais le jeu est très très cool, il n'y a rien à dire sur ça. Regarde le ciel. Il y a un petit peu trop d'étoiles à mon goût. Et ça tourne un peu trop vite. Voilà. Voilà. Et donc du coup, je disais qu'on va reprendre tranquillement. On va encore continuer pendant 1 heure et demie, histoire que ça fasse 3 heures de live. C'est-il pas magnifique? Jamais content, MDR. Je critique, mais j'aime bien le jeu. Quand même. Ouais, et puis ça va, hein, pour une fois qu'on joue une héroïne. Non, sérieusement, non, le jeu est très très cool. Il n'y a rien à dire sur ça. Je m'éclate beaucoup sur ce jeu. C'est pas comme Odyssey, hein. Donc on va reprendre tranquillement. Tranquillement, j'ai déjà le typhus, tu vois, je sprint. Le mec n'a rien à foutre. On va suivre les routes. En plus, c'est bien la nuit parce qu'on peut voir mieux les machines. Ah, c'est des brouteurs, je les avais oubliés ceux-là. Il y a une quête ici? Donne-moi ta quête. Non, les brouteurs, oh, c'est rien les brouteurs. Tout va bien, Merci. chasseur. Tu étais avec le groupe guerrier tombé dans l'embuscade? Pas exactement. Je suis pas chasseur, ni un brave. Je suis rien en fait. Tu devrais même pas me parler. Eh bien, qui que tu sois, tu es blessé. Explique-moi. Je m'appelle Kren. J'ai voulu tenter les épreuves de la zone de chasse sur les hauteurs, tu comprends? Pour m'entraîner. Et. Il y a peut-être des brouteuses? Ça s'est pas bien passé. Mais qu'est-ce qu'il broute? Bah de l'herbe. Les zones de chasse. Tu t'es blessé dans une zone de chasse? Comment? En fait, je visais une bonbonne sur le dos d'un brouteur, mais la corde de mon arc s'est cassée et j'ai trébuché et... Bon, oublie ça. J'ai raté mon coup. Je voulais m'entraîner un peu. La zone de chasse, c'est l'endroit idéal. Donc tu es un simple, un peu comme Piccolo à la fin du film Dragon Ball Evolution. On atteint des objectifs, on bat le temps imparti. Le gardien est en haut de la colline, juste au nord. Tu vas lui parler pour en tenter une. Je suis sûr que tu feras mieux que moi. Il voulait une tisane. Non, elles sont sans doute dégueulasses quand les brouteurs et les brouteuses se rejoignent. Tonio est resté bloqué. Pardon. Tonio est resté bloqué sur les brouteurs. Je ne devrais pas te parler, tu sais, au cas où si je suis un 5 piles. Tu disais que tu n'étais rien et que je ne devais pas te parler. J'ai volé un arc, d'accord? Et on m'a banni. C'était avant l'éclosion. Du coup, j'ai même pas le droit de défendre ma tribu qui est attaquée. Je dois vivre dans les terres sauvages tout seul. C'est pour ça que je voulais m'entraîner. Déjà, j'étais content que le gardien accepte de me parler. Je me demande si c'est pas un exilé. Apparemment, il n'en a rien à faire des lois des matriarches. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes. Si je peux t'aider, dis-le-moi. Non, non, ça va aller. Mon père disait toujours que la toute mère avait prévu mon destin. C'était avant qu'il se fasse écraser par un galopeur. C'était censé être la mou... La... Tu sais, le petit truc d'humour, hein? Je dois continuer mon chemin. D'accord. Sois prudente. Surtout si tu vas vers le nord. Et fais un tour à la zone de chasse si tu veux t'entraîner. Fais un tour à la zone, à Tchulok. Leurs vies sont remplies de joie. Vous vous amusez? Bon. Pourquoi j'ai l'arc dehors?
On peut m'expliquer ça? Combien vous êtes? Vous êtes deux? Pour faire la guerre. Ça craint quoi déjà ça? Ça craint le feu. Parce qu'un Loïs, c'est un thug pris à la guerre. C'est une thug. Ah, mais genre, tu m'as vu, toi. Tiens. Quelque chose à dire? Voilà, merci. Ah, je me trompe de bouton pour m'accroupir. Il te voit. C'est bon ou tu vas revenir casser Non, tu as fui définitivement tes responsabilités. Je garde ça pour la route. En chuchotant, je vois des magies. La mécanophilie. Me demandez pas pourquoi, hein, j'ai vu machine, ça m'a fait penser à ça. Derrière la ref. Ah, il est là-bas le 5 piles. Il est dans le mur? What? Ok. C'est des machines à piles? Ouais, c'est des triple A du Racel, tu vois. Je devais pas chasser moi aussi pour Grata, je sais pas quoi là. D'ailleurs, le JDG a live pendant 3 heures sur Bubsy 3D. Il a légèrement pété un câble. Ouais, mais c'est parce qu'il fait le JDG la revanche sur Bubsy 3D. Il a pas fini encore, je crois. Pourquoi est-ce que musique et des machines? A machine. Ah, ça marche pas avec l'arc? Ok. Il a pas fini encore Bubsy 3D? Non, il lui manque encore 4 levels, je crois. Et moi, je me planque, mais je suis pas planqué du tout en fait. Le mec, c'est un 5 piles, il se rend compte que maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'on peut ralentir le temps. Le mec découvre. Il a du courage de jouer à ça. Là, là, bah JDG la revanche. Hein. Il est où lui? Ah, il est là-bas. Ah, je l'ai buté. Ah, d'accord. C'est déjà plein. Tant pis. À quand la Tonio la revanche sur Odyssée en cauchemar? Jamais, je crois. On sait jamais, ça peut servir. Eh oui, on sait jamais à l'œil. C'est bien parce qu'à l'œil, elle a les mêmes réflexions que moi, tu vois. Ce n'est même pas une revanche. Ouais, la revanche, c'est moi, en fait, plutôt. Si on a bien... Mais une rédemption. Tu dois faire ta Red Dead Redemption, Tonio? C'est une blague de Keops, ça. Hein. Je tiens à préciser. C'est Keops qui l'a fait en premier.
Alors je veux pas être alarmant, mais j'ai entendu un gros bruit de machine. Je sais pas si vous l'avez entendu, parce que c'était au moment où je courais. J'ai pas peur, hein. J'ai pas peur du tout, genre. Et c'est juste que je me demande où aller. Ou alors que c'est en fait attention au copyright, quoi, droit d'auteur, YouTube, tout ça, Content ID. Oula, tout d'abord, faudrait que je reprenne de l'activité sur ma chaîne. Encore une quête? Tu veux des piles? Ah, parler à Nil. Mais le Nil, c'est pas en Égypte. Ça va, je m'en vais. Ça va, j'ai compris, j'arrête le stream, je m'en vais. Pour toi, étranger. Tu es en terre Nora. Pire copyright. Je sais, je sais. L'accès est interdit sous peine de mort. Mais peut-être pas la mienne, cela dit. Mais la sienne, de toute évidence. Qui est-ce? Un voleur, marchand d'esclaves, tueur. Le genre qui jette le discrédit sur les tueurs honnêtes. Neil Armstrong. Varl m'a dit qu'il y aurait des embuscades de bandits sur la route. Je sais pas. C'est pas toujours aussi ah non, bien. Non, il pleure pas, c'est du des maquillage. Fois, il faut aller les chercher. Ils se font encore. C'est en fait, il a un trait noir avec un rond là et là. Mais il pleure pas. Sauf si quelqu'un décide de régler le problème. Tu me plais, toi. Suis les traînées de fumée jusqu'à l'autre côté des ruines. Tu penses à la goutte? C'est le nombre de gens qu'il a tué dans la vraie vie. Ça se trouve, c'est ça en fait. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait. Oh, YOLO! Yeah! Ouais! Youhou! Oui! Enfin, bref, j'arrête. Ah, ça me fait toujours délirer, c'est ça. Du coup, c'est où que je dois aller, moi? Pourquoi est-ce que j'ai plus de marqueur? Ah, si, j'ai un marqueur en fait. Comme Zaz. Lui, il t'apprend à faire les camps. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Moi, c'est là-bas que je dois aller. Mon focus capte un genre de signal. Ce signal GPS est introuvable. Ah, mon vieil, les machines. Ces ruines. Ça doit être la soif du démon. Il n'y a que Captain qui a pu dire ce que j'ai dit en fait. Les autres, non. De l'âge de métal. Une charognarde! N'était-ce pas magnifique? Ou alors que c'était déjà gonflé par la machine? Absolument pas, absolument pas. C'est juste que quand je vois les charognardes, je pense à la musique de Disney. Que Dolph Lundgren a très souvent sorti d'ailleurs, Captain. Et aussi ça. Oula, mais toutes les machines que je dois démonter. Machine de type 5 piles. Là, c'est machine de type. Ce sont les pneus qui se gonflent. Pardon. Désolé. Laquelle? La Hakuna Matata? Voilà. Celle-là. Quand tu vois toutes ces machines, tu te dis ces mots signifient que tu vas souffrir dans la vie sans aucun souci. Tu crèves ici. Parce que là, il y a un peu beaucoup de machines, non? Il y a un veilleur là, il y a une charognière de là. Mais avec des piles. Pourquoi avec des piles? C'est quoi que tu crains, toi? Rien? Ouais, rien. Mais ce que je me disais. En plus, tu es niveau combien? Fin de la chanson. Tu es niveau 8. Et moi, je suis niveau 7. Donc, on a clairement pas le même niveau, en fait. Qu'est-ce que tu fous sur mon chemin? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Qui plaide non coupable pour la charognarde? Dites-moi tout. Bon, je parle, mais j'avance pas depuis tout à l'heure. Ah non, ça me rappelle la chanson avec l'autre gauchiste. Tu n'as pas fini de dire ça. C'est ton cheminement. Quel gauchiste? Yaps. En fait, j'en ai des machines à tuer, là. Bah, Usul. Ah, Usul dans JDG. Sur les jeux Disney, c'est ça? Comment je vais faire ça, moi? Usulpateur. Oui, Tonio? Est-ce que une machine qui a un niveau de plus que moi, ça craint ou... Je peux la buter facile. Enfin, facile. Vous m'avez compris, quoi.
Parce que là, il y a un peu trop de monde à mon goût. Enfin, vous êtes trois, vous êtes pas nombreux, mais voilà quoi. Tu peux essayer après. Qu'est-ce que tu risques? Je sais pas siffler, mais. Vous avez compris quoi. J'aimerais bien me faire la charognarde en fait. Bon, au lieu de parler et de rien faire, on va agir. Ah, c'est vrai qu'il y a les galopeurs là-bas. Toi là-bas. Je sens que c'est tellement une mauvaise idée ce que je fais. Et merde. J'ai bien le mauvaise idée pile au moment où je one shot le charognard. Tu risquerais de révéler ma présence. Il y a aussi des dents de scie dans le coin, je crois. Tiens, T-Bag, T-Bag. MDR, ce one shot. Un peu plus loin, tu dois. Aussi avoir un grand coup, mais peut-être que je me trompe. Ah, c'est possible qu'il y ait un grand coup. C'est possible. Restons discrets. Mais j'ai une question. Normalement, une charognarde, ça se one-shot pas parce que ça craint rien, non? Ou j'ai peut-être tiré sur le radar. C'est ce qui fait que du coup. Les T-Bags avec un œil sont violents. De quoi tu parles? Je comprends pas. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles parce que je me suis mis les mains sur la tête, il y avait le fil, il y avait la manette, il y avait tout. Je viens de one shot une charognarde. Mais non, t'inquiète pas. Et dans ces conditions, je peux one shot les étincelles et les porte-morts alors. Non, je me fais trop de films. Réceptacle mec métallique. Ok, d'accord. Faut pas rêver. Bah je sais pas, la simplicité que j'ai eu à niquer une charognarde quoi. Enfin niquer, à démonter une charognarde, pardon, excusez-moi. Il faut éviter d'être impoli dans ce genre de... Dans les propos, vous comprenez. Du coup je dois aller où moi? Parce que c'est un peu loin quand même hein, comme quête. Je capte encore un signal sur mon focus. Avec Warlox. Qui la contrôle et a l'air hyperactive. Ça c'est le grand coup, ouais voilà c'est le grand coup. Le signal doit venir de la tête d'un grand coup. Mais tu es vraiment une 5 piles toi, le grand coup il est en face de toi, espèce de shrap. Mais bref. Est-ce que je peux me le faire le grand coup? Niveau 7, ouais je peux me le faire. Ah. Ouais faut monter dessus, ouais je sais je me rappelle de ça. Je me rappelle. Par contre, pour remonter, je crois que c'est là-bas. Oula, il y en a des trucs ici. Ah, mais il soit bien. Merci. C'est une des plus faciles. Ouais, ouais, c'est une des plus faciles. Après, je sais qu'il y en a, une, elle est entourée de machines de malades mentales. Genre, il y a des dents de scie, il y a des. Il y a une grosse machine aussi, je me rappelle. Machine, je me rappelle plus son nom. Je sais que tu l'appréciais pas, Captain Price. De souvenir. C'est un grand cru. Ça dépend de quelle année il date. Ça peut servir. Eh oui, ça peut servir. Tu veux les piles? Alors, comment on monte déjà? Parce que j'imagine que là. Voilà, là tu montes pas. Faudrait que j'évite de me faire écraser par le grand coup aussi. Ah tu montes pas, hein, ok.
bien fouillé les ruines. Ah genre là tu montes pas. Ah ok. Aloy, que fais-tu? Merci. Ok, déjà tu passes pas en face de moi, donc ça veut dire que c'est pas là en fait. Je suis en train de m'emmerder pour rien. C'est peut-être plus là-bas en fait. Quoique. Quoique. Ah mais il y a des veilleurs. Ah ouais d'accord, il y a des veilleurs et tout, d'accord. Donc clairement c'est pas ici, je m'emmerde pour rien déjà pour commencer. Je vais les éviter pour l'instant. Il est où lui? Qui m'écrase pas quand même, tu vois, ce serait con. Ah, il est là-bas, il arrive. On va le laisser passer, après on va tracer, on va aller s'occuper de l'autre veilleur là-bas. Il y a des trucs à récupérer, comme le message que j'ai vu tout à l'heure. Ah, mais il m'indique pas tout de là en fait, le focus. Oui. Il m'indique pas tout le ciel s'éclaircit. Tu m'écrases pas, hein. L'aube est proche. Non, tu m'écrases pas. Il y a des trucs à récupérer. La soif du démon. Mais c'est ça en fait, la soif du démon, c'est là où je suis, non? Il me semble que je l'ai récupéré le truc, Captain, non? Rien d'autre. Mais qui me voit? Ah oh, ouais. Non, ou il y a encore des trucs à récup? Qui êtes-vous? Entrez-vous. What? Y a personne là où il y a le. Je me souviens pas de tout, donc je peux pas te répondre. Ok. Bah moi j'ai vu qu'un truc ici, je l'ai pris, donc bon. Après, je me dis qu'il n'y a pas grand chose. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas un pur 100% complet avec tout. Hein. Si je rate des trucs, c'est pas grave. Du coup, il y en a qui m'ont vu. C'est cool. Mais c'est quoi? C'est des veilleurs, je crois. Ah ouais. Mais il y en avait deux. Bon, j'en vois qu'un. Ah non, il y en a un là-bas aussi. Foiré. Ah, je l'ai pas vu. Ah, d'accord. De nuit. Qu'est-ce qu'il y a, Tonio, de nuit? T'es trop loin, ouais, je sais. Je vois absolument rien avec ce temps. Veilleur de nuit. Oui, Tonio. La pluie, tu peux pas te barrer, s'il te plaît, je vois que dalle. Je l'ai tiré dans l'œil. La pluie aussi va être ton ami dans ce jeu.
contre, j'ai toujours pas trouvé le chemin hein, par où il fallait passer pour monter sur le grand couloir. Je sais qu'il fait juste le tour, donc soit c'est plus loin, soit c'est là, je sais pas. D'abord, je vais juste que me débarrasser des veilleurs. C'est probablement là où il y a les veilleurs. Ouais, c'est possible, c'est ce que je me dis. Je vois que dalle avec la brume. Prenons notre mal en patience. Apprécie le bruit du grand coup quand tu marches dans le sol. Avec moi. Le temps que... Ah, tu es remonté à ta place. Où est ta tête? Ah, tu es là-bas. Ah merde. J'ai raté. Je vais mettre ça, ça va être mieux. C'est, il a disparu le veilleur d'en haut ou quoi? Je le sais qu'on peut afficher la piste, merci le jeu. C'est fort sympatoche de ta part. De rapprocher les veilleurs, tu peux les tuer facilement avec ta lance au pire. Ouais, je sais. Le grand coup ne passe pas au mauvais moment. Le grand coup, tu fais chier. Dégage. Putain, c'est pas vrai, ça m'énerve. Oh, que ça m'énerve. Le bon coup. En fait, de les buter, les veilleurs de près, ça me dérange pas. C'est juste que la plume m'énerve. Oui. La pluie, arrête-toi. Ah, putain, il y a encore un veilleur là-bas. Mais elle a partout. Tu veux des piles? Et toi, j'imagine que je peux pas t'avoir. Non, attends, je peux pas t'avoir de la petite problème. Ok, déjà on est bien placé pour les démonter. Je prends mon temps, hein, vous avez dit que j'étais pas discret, donc du coup je prends mon temps. L'art de troller par Warlocks. Ouais, tu as raison. Pas cette fois, petit. Allez hop.